Nushigang. Aujourd'hui, je vais vous parler des expressions nushi. Hey, là où tu te caches là, c'est là-bas nous on dort. Petit caillou peut casser gros marteau. Est-ce que vous connaissez la signification de ça? Non? Donc je vais tout vous expliquer aujourd'hui. En fait, c'est une langue qui a été créée par la jeunesse ivoirienne et c'est une langue qui est devenue populaire parce que là-bas, même les élites utilisent certains mots du nushi. Alors le nushi est un argot inventé par des jeunes de quartier d'Abidjan. Et aujourd'hui, le nushi s'est répandu dans toute la société. Même les membres de l'élite intellectuelle placent les mots de nushi dans leur discours. Le nushi est né dans les années 1980. C'est un langage familier particulier qui se base sur la langue française en intégrant la multiplicité des langues qui existent en Côte d'Ivoire. Voici la signification du nushi. Nou signifie le nez en langue malinké, tandis que chi veut dire poil. En gros, nushi signifie poil de nez. Alors maintenant, place aux expressions que moi j'adore. En numéro 1, petit marteau casse gros caillou signifie qu'une personne qu'on pense faible peut accomplir des grandes choses. C'est l'homme on ne connaît pas qu'on appelle « et ». Cela signifie méfiez-vous des apparences, vous ne saviez pas à qui vous avez affaire. Souris même saoulée connaît carrefour du chat. Cela signifie qu'il faut connaître ses limites et savoir là où il faut s'arrêter. C'est pas dans ma bouche tu vas manger ton piment, tu as compris non? Alors cela signifie ne vous servez pas de moi pour dire ce que vous n'osez pas dire. Quand ça va pourrir là, ça va sentir. Cela signifie qu'on ne cache pas bien longtemps un secret et qu'on finira tous par le savoir. J'ai dit que toi seulement là, tu me moyens même pas. Cela signifie que toi là, tu peux même pas me taper. Si je savais n'a pas de queue, cela signifie que lorsqu'une action est posée, on ne peut plus la rattraper. Tout près n'est pas loin. Cela signifie je t'attends au carrefour, tu ne paies rien pour attendre. C'est non qui envoie palabre. Pour éviter de longues discussions, pour abréger une conversation ou pour faire taire quelqu'un qui vous demande quelque chose, alors on lui dit c'est non qui envoie palabre mon ami. C'est la fin de cette vidéo partage, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Alors si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. Et surtout, on soutient la chaîne en likant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.